Oh putain. Oh bah heureusement que je me suis mis là. Yes, salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous aller aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle série, j'en avais parlé sur le TP, sur le minier, la mine de Thorin V2.0. Série qui avait plutôt bien plu à l'époque de FS15, si je dis pas de conneries. Ouais, FS15 ou FS17, je sais même plus. Enfin, bon, bref. La mine de Thorin, ça avait plutôt bien plu. On va recontinuer cette activité un petit peu de minier TP. On est sur la map Valley Crest Farm V2.6. Je crois que c'est la dernière version. On va tout simplement commencer à amener du matériel. Donc, on a un petit transporteur de matériel Renault Premium. Que voici ici de la FTP ou je sais plus trop quoi. Enfin bon, bref, je m'en fous. Là, on a un 8 roues, un man très sympa avec, avec une benne de chantier. On a un chargeur bah, John Deere, of course, hein, bien évidemment. On a un plateau John Deere ici, un low loader. On a un gros man avec le tigre blanc, il a la classe. Celui-ci pour transporter également le matériel. Et on a un autre chargeur derrière, on a un Caterpillar 966G. Et on va se diriger vers la carrière et vous allez voir, franchement, elle est plutôt bien faite. Donc celui-ci est assez gros, on va tout simplement charger celui-ci sur le plateau ici. Sur le plateau porte-char, voilà, je cherchais le terme. Et on va tout simplement prendre direction avec le follow me de tous ces véhicules. Alors je ne sais pas si on va pouvoir effectivement, hop, on va regarder ça en traquière bien évidemment. Je n'ai pas écarté les rampes mais je crois que ça va être compliqué de monter en vue inter. Donc on va pas se casser le bol, hein. On va se mettre comme ça en vue externe. J'inaugure mon Logitech Extreme 3D, donc le joystick que je viens d'acquérir et qui franchement fonctionne à merveille. Franchement c'est la classe, ouais ça commence fort. J'aurais pu je crois écarter les rampes mais bon on va essayer de monter tranquillement sans se fail à la limite. Ça serait plutôt pas mal, jusqu'ici tout va bien. On a l'air bon. Ok, regardez ça, on est arrivé sur le dessus de la rampe, c'est plutôt pas mal. On va tout simplement se centrer un petit peu. On va baisser tout ça. Voilà, tout ça tranquillouze. Et on a l'air plutôt bien. Voilà, hop, on va remonter ça. Non, j'ai dit qu'on voulait remonter. Normalement, c'est avec la touche W, si je dis pas de conneries. Ça a l'air bon. Et est-ce qu'on peut verrouiller le chargement? Oui, X, tac, comme ça, on a verrouillé le chargement. Là, c'est bien, c'est fait. Ensuite, je ne sais pas si on va arriver à monter l'autre là-bas. Je ne sais pas du tout, on va tenter, on va voir ce que ça peut donner. Je ne suis pas certain du résultat, mais en tout cas, on va voir. Si ça peut le faire, à la limite, est-ce qu'on va se mettre dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Bon, on va essayer de monter, c'est pas bien grave. C'est du John Deere, ça monte partout. Mauvaise nouvelle par contre, j'ai plus accès à ma save game de Nostalgie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai installé la Fiat Agri, ça m'a fait planter deux fois le jeu. Et du coup, là on a l'air pas mal, je n'ai plus accès à ma sauvegarde, donc je pense que cette série là va s'arrêter. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire comme ça. Alors c'est pas du tout RP, je pense pas, hein. Les puristes me le diront, mais je pense que avec le truc sur la... Non, je pense pas que c'est RP, mais bon, on s'en fout. Rien à branler. On est chez le Savoyard. Alors qu'est-ce que ça fait? Comment c'était déjà? Je crois qu'il fallait... voilà, on peut remonter tranquillement avec le joystick. Là, voilà, et on peut normalement loquer le load, voilà, normalement ça a l'air plutôt pas mal. Écoutez, on va se mettre en place, tranquillouze, voilà, alors par contre, oula, ça a loqué le load ou ça a pas loqué le load? Voilà, unlock load, ça a l'air d'être mieux. Là, ça a l'air d'être bien, on est pas mal, attention l'épopée, je vous dis pas les gars, là on va se mettre en place pour celui-ci, on est ok. Ensuite, on va aller mettre l'autre derrière. On mettra le troisième, la benne tout simplement. Ici, hop, on va enlever ça. Par contre, ça fait chier parce que j'ai, il va y avoir un conflit avec tout ça là. Alors, les roues sont directrices, ça va le faire. Ça ressemble beaucoup à la première vidéo à l'époque que j'avais fait sur la mine de Thorin. On va peut-être enlever les feux parce que franchement, là, il y en a beaucoup. On peut pas enlever les feux. Bon, bah, écoutez, c'est pas bien grave. On va essayer de mettre le follow me. Ça a l'air d'être bien et on va simplement... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Réduire en distance 10 mètres, ça me paraît plutôt pas mal. On verra ce que ça donne. Et on va mettre le man V8. Alors regardez à l'intérieur, hop, le volant qui se baisse, le GPS qui se lève. Oh, c'est la classe ça. Et normalement on doit avoir également aussi, tous les compteurs sont a priori non. Oh putain, ça se lève, ça se baisse, ça se barre. Oh attention le boulot. Alors qu'est-ce que ça dit si on se met là? Ah c'est plutôt pas mal, hein. Je ne m'étais encore pas servi celui-ci, toc, et on va par contre se mettre que 15 mètres, voilà.
Normalement, on a l'air d'être bon. On va prendre direction. Hop, je vous montre la carte là au sommet, la carrière. Et nous, on est ici tout en bas au sud-ouest et on va aller au nord-ouest. Bon, eh bien, écoutez, on va essayer de trouver la route. C'est tout simplement le truc GPS, vous savez comment ça se passe. Alors, on va faire comme ça. On va peut-être repérer quand même un petit peu. Il faudrait qu'on prenne la route qui va ici. Ok, donc attraper la grande route. Qu'est-ce que ça dit si j'y mets le gyropute? Est-ce que les autres se mettent le gyropute ou pas? Pas l'air. Est-ce que ça a l'air de suivre? Ouais, ça a l'air de suivre. Alors, où c'est qu'on va partir? Allez, on va partir par là, tranquillouze. Et on va essayer de faire la caravane du cirque plein d'air. Ah, putain. Ah, d'accord. Alors, direct, on va se faire chier avec la circulation. Bon, il y en a un qui s'est intercalé, mais c'est pas bien grave. Par contre, au niveau de la vue, on va être emmerdé, là, à chaque fois. Qu'est-ce que ça dit? Ça vient, c'est bon. L'autre a l'air de suivre. C'est bien. Jusqu'ici, tout va bien. On est bon. Allez, putain, ça va être relou, ça. On va prendre ici, tranquillement. Allez-y doucement les gars, hein. on tâche d'amener le matériel en un seul morceau, ça serait plutôt pas mal. J'aurais presque pu descendre, bon, je l'ai mal monté mon truc là, mais ça aurait pu faire autrement. Alors qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'on est sur la voie principale ou quoi? Putain, John Deere dans la mirette, c'est le patou qui va être content. Coucou mon patou, bonjour à tous les connards. Regardez ça, chaque fois la caméra va me faire chier. Là ok, ok. Putain, ça va être chiant ça. Ça va être chiant. Dieu, lâche-moi, caméra de merde. Ah putain, c'est relou quand ça fait comme ça. Alors là, on a repris, a priori repris la route principale. Est-ce qu'il y a du monde? Putain, mais c'est pas vrai. On va essayer de tourner par là. Voilà. Putain, on en avait déjà perdu un. Ça commence. Est-ce qu'il va arriver à nous rattraper? Est-ce qu'il va arriver à nous rattraper? Alors si on switch, lui il arrive à m'entrer dans le cul. Lui il a l'air de vouloir y aller. Qu'est-ce que ça dit? On va le regarder. Alors regardez toutes les vues qu'on a. On a la vue du siège de derrière, c'est plutôt pas mal. La vue du passager, c'est plutôt sympa. Une vue sur le côté. Ça a l'air d'être une gonzesse qui conduit. Chaud devant. Oh putain. Oh bah heureusement que je me suis mis là. Et il est reparti. Regardez ça, si c'est pas Thibaut. Et d'un Thibaut, de Thibaut, il est arrivé comme un marteau. Roulade sur le côté. Ok, ça a l'air d'être bon. Il a l'air d'être venu jusqu'à nous. Oh là 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 là, magnifique. C'est pas beau ça. Allez, on y retourne. Hop, on se remet tranquillement à l'extérieur. Et on essaye de ne pas se faire chier avec cette caméra de merde. En regardant tranquillement notre GPS. Ça serait pas mal qu'on attrape là. Ok, une fois qu'on a pris cette route là, on devrait être pas si mal que ça. On continue, on continue. Jusqu'ici tout va bien. Les gugus ont l'air de suivre. C'est plutôt pas mal. Eh les gars, je tortille pas du cul comme vous, il me semble pas en tout cas. Là, et puis normalement on va prendre la dernière, hein. Je pense que la dernière doit être pas mal là-bas. À moins que ça aille sur une usine. Merde, on aurait dû prendre par là. Bon, c'est pas grave. On va prendre par là. C'est pas si grave que ça. Putain, ça va être chaud. Ça va être le premier épisode fail déjà direct. Ah putain, et comme par hasard. Non, mais ça va pas. Il y a une espèce de barrière. Donc demi-tourne, demi-tourne. Je pensais que c'était une route accessible pour aller jusque là-bas. Et c'est pas le cas. Donc résultat des courses. On va reprendre la route qui est juste avant. Est-ce que les mecs ils se sont tous mis dans le décor? Ah putain, mais ça c'est relou cette caméra. Arrête, 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 arrête. Reste là. Ok, ça a l'air d'être bon. On va prendre cette fois-ci ici. Clignotant, clignotant, mettons clignotant. Et pourquoi? C'est quand même pas pratique hein, cette histoire. On va aller doucement parce que l'autre il est complètement marteau avec son dumper là-bas. Donc on aura les dumper 4, vous verrez. Enfin, en tout cas, il y a pas mal de matériel. Putain, mais c'est relou. Oh là là, ça casse les yeux. Ça casse les oreilles. Attends, allez, on va se foutre en vue intérieure, comme ça on a fini de se faire chier. Voilà, allez, on est parti, tranquillouze, on va se mettre là. On va simplement remettre le traquière, puisque malheureusement, pour certaines activités, je suis obligé de toucher sur la touche 0 de mon numpad. Et la touche 0 de mon numpad, en fait, elle met ou elle arrête, tout simplement, bon, traquière. Donc, bon, c'est pas bien grave. Est-ce qu'on a du monde derrière? J'ai pas l'impression qu'il y ait du monde derrière. Je les vois pas, attendez, on va se foutre la carte. Normalement avec la carte on est censé pouvoir les voir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont bloqués. Mais qu'est-ce qu'ils bricolent là-bas? Allez BG là, les beaux gosses là. C'est parti, on y va, on filoche. Il n'y a pas un chat sur la route et je comprends pas comment ça se fait que vous... Bah vous arriviez pas à me suivre. L'idée elle est là. Alors attends, on va remettre la carte en mini comme ça. Ah, ils vont bien réussir à venir jusque là. Donc il y a pas mal d'activités sur cette map. On peut aller récupérer les poubelles, on peut bon, faire du bois bien évidemment. Il y a des serres, il y a pas mal de choses. Voilà, moi elle me servira vraiment tout juste à... Oula, il s'arrive comme des fous. Elle est dans le rétro là. L'autre il arrive comme un fralé. Ça me servira uniquement à faire du TP. TP minier, hein, parce qu'il y a du TP mais c'est surtout à la base quand même du minier. Et vous allez voir franchement, je sais pas si vous l'avez déjà vu cette carte là.
Mais une très très bonne, elle est pas récente, hein, mais elle a été mise à jour, mise à jour, remise à jour, remise à jour, ça arrête pas, un truc de fou. Je prenais la version, je prenais une autre version, je prenais encore une nouvelle version, j'ai pas eu le temps d'attaquer, j'en ai parlé il y a un petit moment déjà du retour de cette mine de Thorin. Quant au GPS, on est carrément à côté de la route, mais bon, pour l'instant, a priori, on a l'air quand même plutôt de suivre la route. Et normalement, ici c'est l'entrée, alors on va freiner. On va freiner pour pas qu'ils arrivent comme des fralés. Voilà, on va essayer de se foutre en vue externe pour voir comment ils arrivent. Voilà. C'est là les gars, hein, mollo, mollo avec le bleu, hein, franchement. Mollo, mollo, mollo. Voilà, tranquillou, laissez faire, ça va bien se passer. Est-ce qu'il va arriver à repartir? Bon, moindre mal puisqu'on est arrivé tout simplement à. Elle marche la balance? Ouais, elle avait l'air de marcher. Il me semble qu'on n'était pas à zéro. Alors qu'est-ce que ça dit? Non, il faut pas passer là-dessus. Ok. Et puis on va commencer à décharger le matériel, hein, tout simplement, hein, ici. Donc il y a une partie basse où il y a le traitement. Enfin, voilà, vous pouvez faire de la terre, vous pouvez faire du. Etc. Et regardez le panorama. Regardez le panorama de cette carrière qui est quand même plutôt bien fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se foutre ici. Et on va commencer à décharger le matériel ici. Alors on va faire comme ça. On va tout de suite baisser notre truc là. Et j'ai l'impression que les deux cons, ils sont plantés à l'entrée, mais bon. C'est moindre mal, c'est pas très grave. On va descendre, on va essayer de monter là-dedans. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. On a réussi, on va se foutre en vue externe. Par contre, comme un con, j'ai pas enlevé le blocage de truc là. Donc c'était B. Ok, ça a l'air d'être bon. On redescend, on recommence, on prend les mêmes. On remonte et on recule. Vas-y, voir, recule donc. Voilà. Allez, là on est bien. On a déjà déchargé notre John Deere. Voilà. Là, on est pas mal. Tac, un coup de joystick. Oh putain, c'est la classe ça. Qu'est-ce que ça fait plaisir. J'ai presque 10 ans de retard, je crois. Il y en a qui m'ont dit, mais ça fait 10 ans que je l'ai, moi, le truc, etc. Et ça marche très très bien. Il y en a qui m'ont dit que bah, il y avait mieux hein, au niveau Thrustmaster et pas Logitech. Bref, il y a un hélicoptère, ça y est, on est survolé, on est surveillé. Alors qu'est-ce qu'il fait mon colo là? Mais qu'est-ce que tu branles? Alors attention, on a affaire à des chauffeurs, mais attention les brels pareil. On va faire CTRL F, voilà, et normalement on a dû. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Et l'autre con, il est derrière là-bas. Mais j'y crois pas. J'y crois pas. Est-ce qu'on va arriver à sortir notre cul de là? Ouais, impeccable. On a réussi. L'autre est censé peut-être arriver aussi derrière. Voilà, on est bien. Et si on mettait les gyroputes là? Parce qu'il n'y a pas mis les gyroputes l'autre derrière. Non, c'est pas bien grave. Qu'est-ce que ça dit là-bas? Oh, ils sont coincés. Faut que j'enlève cette circulation parce que je pense que quand on va faire du transport comme ça, on va se faire chier comme des rats morts. Résultat des courses, celui-ci, on va faire comme ça, tranquillement. Voilà. Normalement, si mes souvenirs ne sont pas trop mauvais, W pour décharger. Et normalement, déverrouiller le chargement, X. Voilà. On a l'air plutôt pas mal. On va décharger celui-ci également. Voilà. Tranquillouze. Mettons en vue externe. Lève tout ça. Recule donc. Oh, forcément. Et arrête. Oh, putain. Alors, le follow me, très pratique. Mais alors, parfois, très chiant et très con. Voilà, alors arrête, arrête d'être con, tu recules, voilà, bien. Par contre, à chaque fois, on va passer par toutes les vues, là, ça va être un petit peu chiant, ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, d'accord. Ok, c'est un peu le système Arsonic Modding, en tout cas, vous avez. Hop, ça, on peut y arrêter. Ok. Donc, recule donc, voilà, c'est bien, on voit où on va à l'arrière, en tout cas. C'est une caméra un peu particulière, un peu spéciale. Voilà, on est bien. Ok, ça c'est bon. On va donc continuer à décharger notre matériel. Et c'est le bazar. C'est le bazar, je dirais même plus, c'est le bordel. Voilà, on est bien. On retourne ici. On reprend les mêmes et on recommence. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que celui-ci, on va directement aller travailler un petit peu avec. Voilà. Hop, on descend, on baisse tout ça. Et vous allez aller voir, on va se rapprocher un petit peu donc de la carrière qui, bon, franchement, regardez, le panorama, c'est assez. Moi, je trouve ça plutôt bien fait. Il y avait une autre map aussi qui est dans le même esprit, mining and construction economy, mais. La carrière, regardez ça. La carrière est beaucoup moins bien faite. Ah, c'est moi, franchement, je trouve ça magnifique. Alors, j'avais pas fait aussi bien dans la première version de la mine de Thorin. Et là, franchement, GG au modeur, au mappeur, même j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce que ça dit normalement? Est-ce que j'ai activé moi le truc non, 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 ta gueule. Non, ta gueule, ta gueule, ta gueule. J'ai pas activé le cruise control. Non, le. Bon, bah, je vais manger le nom. Allez, on s'en fout. Alors, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça charge? Ouais, ça a l'air de charger. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ok. Tranquillouze. Voilà. Et on va amener tranquillement notre camion là-bas. On va y courir. Normalement, je suis censé pouvoir courir vite. J'ai mis le mode. Voilà. On va amener notre benne et on va commencer tout de suite à travailler, à faire un petit peu de boulot.
C'est la classe quand même ce truc, hein. Ça se met un peu tout en place. Par contre, j'ai pas compris pourquoi. Alors, je pars avant que les compteurs aient, ce soit, voilà, et ça sort, etc. Donc, je pense qu'on a moyen de tout sortir, enlever la bâche. Ouais, ça serait pas mal. Toc, attacher les sangles. Active combi, cabine suspension. Ouais. Ça, on s'en fout. C'est pas trop l'objet. Ok, ok. Alors, on va se placer un peu comme ça. Voilà. Et je pense qu'on va être pas mal. Là, par contre, c'est un peu relou. Autant de caméras. Je sais pas ce que vous en pensez, mais si à chaque fois il faut qu'on passe pour aller en extérieur par là, ça va être un peu chiant. Par contre, la caméra, la radio, va falloir arrêter de casser les couilles parce que sinon ça va vite me saouler. Voilà, allez, cordialement. Hop, alors qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'on vide à côté? Ouais, on a l'air d'avoir vidé un petit peu à côté, mais bon, c'est pas bien grave. Hop, on est pas mal. Allez, laisse tomber. Vas-y, descends, voir mon cono. Au niveau de la caméra, c'est pas terrible. Alors, il faut se caler parce que le problème, c'est que. Voilà, tranquillement. Faut que je prenne les réflexes avec tout ça. Entre les pieds, le volant, les pédales, le joystick, etc. Ça commence à faire beaucoup de choses pour mon petit cerveau. Voilà. Allez, on va essayer de vider une deuxième bolée. Qu'est-ce que ça dit? C'est déjà plein? Non, quand même pas. Donc, on a mis déjà deux bolées. C'est bon à savoir. Hop, on y retourne. Allez. Et ça gratte, et ça gratte. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Alors, c'est un petit peu différent de farming, hein, comme d'habitude. Hein. Enfin, un petit peu farming. C'est un petit peu différent de l'agriculture. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, ça avait bien plu. En tout cas, moi, je vais prendre du plaisir à faire ces activités-là, parce que c'est des activités qui me plaisent. Et puis, on, voilà, comme je vous ai dit, ben, on démarrera, je pense. Voilà, ça y est, c'est bon. Donc, a priori, 10, 10 et 2500, 22500. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller vider ça. Hop, là-haut. Tac, 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 voilà, bonjour monsieur, dame. Hop, normalement, on va mettre les gyroputes, parce que dans la carrière, il faut quand même avoir les gyroputes. Il faut monter ici, tout bêtement, à cet étage-là. Il y a différents étages, il y a vraiment la carrière, je vais aller vous emmener, je vais vous faire un petit tour là-haut. Et normalement, je crois qu'il faut vider ça, je crois qu'on le vide ici. Il me semble que j'ai regardé une ou deux vidéos, alors c'était des... Je sais pas ce que c'était, des Sri Lankais, ou j'en sais rien quoi, enfin, il y a des Allemands aussi qui l'ont fait. Là, normalement, on est sur du rock, donc du gravier ou du caillou. Et on va voir tout de suite si on peut vider. On a l'air de pouvoir vider. Vidons. Voilà. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça vide? Alors, qu'est-ce que ça fait? Ouais, ok. Jusqu'ici, tout va bien. Ça vide et ça a l'air de vider. Bon. Et est-ce qu'au niveau du truc, ça a l'air de monter aussi? Et puis après, bah, je pense que ça va trier, faire des tas de sable, faire des tas de pierres, faire des tas de je sais pas trop quoi. C'est un peu la trieuse. Enfin, tous ceux qui ont les termes techniques, hein, en TP, en mini, etc. N'hésitez pas dans les commentaires à partager avec nous parce que franchement, j'y connais pas grand chose moi perso. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un tour. Ouais. On va aller faire un tour tranquillement. On va pas faire beaucoup plus long sur cette vidéo là. Je vous ai montré. On va commencer à fermer, aller gratter un petit peu à droite à gauche. Il faut que je regarde également un peu comment ça fonctionne parce que sincèrement, je suis pas tout à fait au fait de comment ça fonctionne. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Ça, c'est le principal. Et est-ce qu'on peut monter par là? La question c'est, là j'arrive ici, on est bien, super. Oh putain, la benne a pris un coup de moins bien avec la boue là. Et je pense pas qu'on soit au bon endroit là. Non, 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 là on est coincé. Donc bon, on va y aller à pied, alors c'est pas très grave. Où est-ce qu'on monte? Où est-ce qu'on monte? On va peut-être accélérer un petit peu la cadence. Donc si on monte ici, non. Et si il faut faire le tour par là, et ben voilà, c'est un petit peu mieux. Alors il y a l'air d'avoir une galerie là-bas. D'ailleurs celle-là je l'avais même pas vue. Donc il y a des galeries comme ça pour aller gratter un peu là-bas au fond. Regardez ça, hop là. Donc le mec que j'avais vu, il avait carrément mis des courseplaies pour aller chercher et tout, etc. Là, je sais pas, ça a l'air d'être de la terre ou j'en sais rien quoi. Bref, c'est pas grave. Donc il y a une galerie là, donc on est dans la mine de Thorin, hein, donc la mine de Thorin A. Et si vous continuez à monter, hop, à cet étage-ci. Alors après, je pense qu'il faut faire le tour par là. On continue à monter par là. Putain, ça va être joli. Franchement, ça avec des bennes derrière, hein, avec des semi-remorques, ça peut être assez sympa. Là, on peut descendre, on peut aller là-bas. Là, on peut descendre, on peut encore aller là. Et on continue à monter, regardez, il y en a de partout, il y en a de partout. Et voilà, c'est ce que j'avais dit, il y a une autre mine, il y a un autre tunnel ici, hop. Et là, c'est pareil, on doit pouvoir gratter quelque chose. Alors, je pense que c'est pas la même chose qu'en bas. C'est l'air d'être une pierre différente. C'est peut-être le truc pour faire le lime, le blanc, le, je sais pas comment ils appelaient ça. Comment ils appelaient ça déjà? Je pense que ce qu'on extrait là, on le met ici et ça s'appelle le limestone, voilà. Une sorte de limestone. Ici... Je sais pas trop ce qu'on y mettra, en tout cas on verra, mais il y a quelque chose à y mettre. Est-ce que c'est pour traiter de l'or? J'en sais rien du tout. Enfin, il y a du boulot, il y a du boulot. Voilà, on se quitte sur cette jolie vue de carrière. Voilà, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Le petit pouce bleu, bah, ça parlera. Bon, je pense que voilà, pour ceux qui viennent jusque là, j'en ai parlé dans la vidéo
La série Nostalgie va s'arrêter là et je vais attaquer donc celle-ci, Mine de Thorin V2.0 et puis Auf Bergmann, donc pour commencer exactement aussi avec toutes les activités qu'on peut faire sur cette map-là, la fameuse map qui fait parler. Merci à vous d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker la page Facebook et vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures sur la Mine de Thorin. Ciao, bye bye!